cœur. Il quitte la maison. Au départ, moi, je me disais, bon, ben, on va faire une tournée comme ça, avec nos anciens trucs, et puis... Laurent m'a dit, non, mais ça va pas, non, on est des gens actuels, on est en pleine vie, en pleine créativité, on va faire des nouvelles chansons. Alors, on a fait un nouvel album, à deux, spécial, et c'était difficile pour moi, pour les paroles, parce que on est des gens très différents, donc on ne pouvait pas dire des paroles qui nous conviennent aux deux, c'était assez compliqué, mais on a trouvé. C'est magique, l'amour est magique, la musique est magique, la vie est magique, les rencontres sont magiques. Donc on a eu une chance incroyable de se rencontrer, on se le dit très souvent. Et Alain avait moins de succès avant de me connaître, moi j'avais pas du tout de succès avant de le connaître. Ben, moi non. Et effectivement c'est quelque chose d'irrationnel quoi. On est extrêmement différents l'un et l'autre. Alain est rapide, je suis lent, j'ai de l'espoir, il a du désespoir. Il est beau, je suis laid. Enfin bon, tu vois, des ça, trucs c'est bien, comme c'est ça. Bien observé. Ouais. Bon, voilà. Chanter en anglais, c'est à cause de moi qu'il chante en français. Donc, et s'il chantait en anglais, il serait une star internationale, vraiment. Il est reconnu par les plus grands. Hein, il fait partie de la compagnie de Paul McCartney et tout ça. Et à cause de moi, il est gueusé en France, à Colmar, Paris, Strasbourg, éventuellement Brest. Dijon, Brest. Voilà. Pendant que Mick Jagger vole de continent en continent. Alain connaît des milliers de vers. Et moi, je connais beaucoup moins de vers que lui, ça va être par dizaines. Disons que ma sensibilité naturelle va vers la musique, qui me suffit presque. C'est-à-dire qu'elle me porte à ressentir des sentiments, même sans mots, déjà extrêmement élevés. D'ailleurs, c'est pour ça que les chansons existent. C'est un mot banal accompagné d'une musique qui peut vous tirer les larmes. Le mot devient plus banal du tout. En même temps, c'est ça la magie des chansons, quoi. Donc, comme on est très différents, puis qu'on s'est rencontrés, on est complémentaires, le reste, c'est du domaine du magique. Ça nous dépasse. On se regarde un peu fascinés l'un par l'autre, en se disant, dans le fond, si t'étais pas là, qu'est-ce que je serais? Et lui, il se dit pareil. Donc, c'est marrant que deux êtres humains soient dépendants l'un de l'autre, comme ça. Ça nous dépasse. Partir dans la nuit. Chanson avec Alain, pour moi c'est un des plus beaux textes qu'il a écrit, qui s'appelle je me rappelle plus. Capitaine et matelot. Ah oui. Le capitaine et matelot, c'est magnifique. Et donc il dit simplement que la beauté des choses, elle est dans la quête du trésor, la quête de la beauté, la quête de l'amour. Oui, dans la route pour aller au trésor. Donc c'est ça, c'est la route pour aller au trésor, c'est la quête. Quand on fait une chanson, le moment le plus exaltant, j'ai l'impression que c'est le moment où on cherche, on sent qu'on voit la lumière poindre et on se dit, on va trouver. C'est peut-être ça qui est le plus exaltant. Une fois qu'on l'a faite, on dit, elle est bien, on tourne la page, on en fait une autre. Je crains que ce soit pareil en amour. Il décolle.
des guitares qui jouent. Parenthèse qu'on vit là. C'est pas notre but, c'est pas de faire un groupe et de chanter à deux. C'est on a chacun nos vies, chacun nos préoccupations, chacun nos façons d'être sur scène, très différents, on est très différents. Mais là, c'est sympa de faire une parenthèse comme ça, mais ça reste une parenthèse. Hein. Ouais. On s'est toujours un peu considéré comme un groupe qui n'allait jamais sur scène. C'est-à-dire que depuis le temps qu'on écrit les chansons ensemble, il y a un travail d'équipe quand même. Et on l'a. Comme si on avait concrétisé matériellement quelque chose qui existe depuis extrêmement longtemps, quoi. Et puis il y a toujours quelques chansons qu'on aime chanter ensemble. Moi j'aime bien chanter quelques chansons avec lui, la balade de Jim sur scène, ça m'éclate d'être là, jouer de la guitare avec lui, etc. Et donc on s'est dit, si on arrive à aimer chanter 10 ou 12 chansons tous les deux, on est capable de les écrire et de faire un nouvel album. Et donc on a énormément de plaisir à avoir fait ce disque et à faire cette tournée, quoi. Partir dans la nuit, partir comme ça. Les fleurs du bas.